Mon nom d'artiste est Mike Mamadi, artiste, chanteur, auteur, compositeur. Je viens de la Guinée, Guinéen d'origine, d'une mère malienne aussi. Ouais, du coup, c'est entre la Guinée qu'on a créé le Mali Bamako. Donc, après tout, je dis que je suis un citoyen du monde aussi, surtout. Cittadino del mondo. Aïe! Bah, j'ai commencé la musique depuis très longtemps, depuis tout petit en vrai. Je me rappelle même pas de la date maintenant, mais je me rappelle bien que c'était à l'école primaire. Ouais, parce que là, je chantais en famille à tout moment. Je chantais aussi pour les amis de ma grande sœur et qui me donnait des classes au retour, des biscuits et tout. Donc ça date depuis très longtemps en vrai. Depuis tout petit, comme je l'ai dit, ben moi je dirais que c'est venu comme ça. Mais je me rappelle bien un grand moment, ouais, une fois après les cours, vu que l'école primaire de Bussaport 1, c'est à côté du bord de la mer et tout. Du coup, je suis descendu au bord de la mer après les cours un jour. Ben il ne pensait pas que j'ai chômé les cours, j'ai pas chômé, hein. C'était après les cours. Je suis allé au bord de la mer et tout, j'ai vu les grands frères rapper, il y avait Piwada, Maximum Respect, il y avait Grand Phénomène. Non, ces jours-là, il n'y avait pas Piwada, mais il y avait Grand Phénomène, il y avait Grand Kader et tout. Du coup, je les ai vus chanter et ça m'a donné beaucoup plus envie aussi. Et ces jours-là, je me rappelle, j'étais petit encore, mais j'ai eu l'idée d'aller dans une boutique prendre de l'eau glacée pour les grands frères du ghetto et tout. Je suis descendu au bord de la mer, je les ai donné de l'eau glacée et tout, j'étais content. Et je les ai dit que j'aimerais bien chanter comme eux. Du coup, ils m'ont aimé, comme tous les enfants qui se lancent dans la musique ou dans le foot. T'es aimé par les grands et tout. Du coup, ils m'ont accepté et ils m'ont donné programme le lendemain. Et puis, je suis allé là où ils m'ont donné à Bokinka, c'était à Bussaport 2, je suis allé à Bokinka. Du coup, les choses ont commencé, ils m'ont donné mes premiers pas. Et à l'époque, tellement que j'étais petit, pour aller assister à les concerts, il fallait que Grand Phénomène parte dans ma famille, demander la permission à mon frère adoptif et tout. Et là, je dois m'appeler Bamba, repose en paix. Ouais, c'est un peu ça. Au début, je peux dire que pour moi, au début, ça a été facile, tout le départ, tout le début, ça a été facile, je peux dire comme ça. Parce que j'étais petit encore, et puis mes parents, Dieu m'a donné la chance de grandir dans une famille où je suis aimé par tout le personnel de la famille, et par le père, tout le monde, j'étais aimé par tout le monde en vrai, et jusqu'à maintenant, là, je suis aimé par tout le monde. Du coup, le vieux, il m'a pas compliqué la tâche, il m'a laissé partir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? La seule classe que j'ai redoublée, c'était la sixième année, passage au collège. C'est la seule classe que j'ai redoublée dans toute ma carrière scolaire. Du coup, vu mon échec, le vieux, il a dit quoi? Que c'est la musique qui a fait que j'ai échoué mon examen. Du coup, il m'a interdit la musique. Ouais, il m'a dit qu'il veut me voir sur scène quand j'aurai mon bac. Et vu comme en Afrique, dans toutes les bonnes familles, il faut respecter les parents, il faut les écouter. Du coup, j'étais obligé d'arrêter, j'ai arrêté la musique. Et puis, vu que j'avais l'amour pour la musique, je partais accompagner les potes dans les concerts pour ne pas être en retard aussi par rapport au showbiz du pays et tout. Donc, je partais
dans les concerts pour regarder comment ça s'est passé, accompagner les amis. J'ai managé quelques amis parce que moi je pouvais pas chanter. Je voulais pas que quelqu'un me voie sur scène et dire à la maison après que ouais, j'ai vu Mike chanter ici. Bon, c'était un moment difficile pour moi en vrai. J'ai passé un bon moment, je ne faisais pas ce que je voulais parce que je voulais chanter sur scène. Mais à partir du moment où j'ai eu mon bac, le Dieu il m'a laissé chanter et jusqu'à maintenant là ça va franchement. Bon. Pratiquement la musique, il y a eu toujours des hauts et des bas dans toutes les activités, dans ma musique aussi il y a eu des hauts et des bas en vrai. Et la musique elle m'a donné aussi plein de choses qui me donnent la joie de vivre. Ouais, comme je l'ai dit au départ, après mon échec, la famille m'avait interdit la musique. Du coup, bon, j'ai arrêté un moment. Quand j'ai eu mon bac, j'ai commencé et j'ai continué. Bon. Et la musique m'a ouvert l'esprit. Ça m'a donné aussi beaucoup de gens, beaucoup de fans. Ouais, des gens qui me suivent, qui m'ont aimé aussi. Et ça m'a donné aussi une réputation dans mon quartier où j'ai grandi. Et jusqu'à maintenant, là, la musique, elle continue à me donner une bonne réputation, je veux dire. Et ça me fait du bien aussi. Parce que même quand je suis angoissé, je chante. Quand je suis content, je chante. Je chante, c'est-à-dire pour me libérer. Ouais, et chanter, ça me fait énormément du bien aussi, en vrai. Ouais. Et je me rappelle aussi, l'un des plus grands jours aussi de ma carrière, c'était en 2014. C'était lors de la finale du concours urbain de la musique nationale en Guinée Star. La première édition, je me suis inscrit, c'est Guigué Lako, Big Up mon grand, qui m'a inscrit. Ce jour-là, quand il m'a appelé, j'étais dans le lit malade, j'étais malade, mais tellement que j'aimais la musique, il m'a dit « Petit, je veux t'inscrire dans une compétition ». J'ai même pas osé lui dire que je suis malade pour ne pas lui décourager. Je lui ai dit, bah grand, vas-y, bah c'est chaud. Il dit, je peux te faire confiance. Je dis, bah c'est pas confiance, tu as pensé à moi, tu m'as appelé. Donc c'est chaud. Du coup, il m'a inscrit et on a fait quelques mois de compétition. Je suis allé jusqu'à la finale et je suis sorti troisième de la catégorie dancehall lors du concours national. Du coup, ces jours-là, tout le quartier sont réunis chez moi. Les jeunes du quartier, à minuit, ils ont chanté à la maison, réveillé mes parents et tout. Et le matin, ma maman, elle a dit que, ah ouais, on te voit sortir et puis on te voit faire des allers-retours. On voit aujourd'hui que tu fais pas pour rien. Et j'étais heureux ces jours-là, franchement. Ouais, ben, en matière de collaboration, c'est vrai, j'ai collaboré avec... Depuis que je suis arrivé en Europe, mes débuts jusqu'à maintenant, là, j'ai collaboré avec des gens, c'est vrai. Bah, je peux dire, ma première collaboration pendant mon départ de la Guinée, c'était Maestro Raimondo Pisano. En Italie, quand j'étais en Italie avec Maestro Raimondo Pisano, un grand guitariste qui a son orchestre, qui m'a soutenu, ouais, qui m'a donné tout son temps en vrai, et tout son cœur aussi, franchement, qui m'a beaucoup soutenu, qui m'a donné de la force. Et après, Maestro Raimondo Pisano, j'ai connu aussi Rastino Del Sangue du Mali, avec qui d'ailleurs j'ai fait un featuring à Fire Bombo Clock et tout. Et après Rastino, j'ai connu pas mal de mecs que je peux pas citer tous les noms. Et arrivé en France aussi, ça va, tout se passe bien pour le moment. C'est vrai que dans le domaine musical, on rencontre des difficultés pour s'en sortir, c'est vrai. Mais en matière de collaboration aussi, j'ai des gars aussi qui m'ont vu sur les réseaux sociaux, qui ont vu mes vidéos circuler, qui m'ont appelé pour me dire que ouais, ils aimeraient qu'on fasse un featuring et tout. Bah, je suis free. Ouais, un artiste, il va être quelqu'un qui est ouvert d'esprit et de cœur aussi, surtout. Ouais, il faut ouvrir son cœur. Du coup, j'ai donné mon accord à plein de gars et puis bon, ça va quoi. Ouais, il y a des featuring qui sont en cours dans les collaborations, ça fonctionne bien. En matière de répertoire, en vrai, j'ai plein de chansons, franchement. J'ai plein de chansons, franchement. Ouais.
J'ai eu à faire des clips aussi avant mon départ en Guinée. Bah, au final, je ne me suis pas compris avec le producteur. Du coup, il a gardé des clips aussi pour lui. Bah, arrivé quand même, j'ai réussi à faire un clip avec Rational Sangoy que je viens de citer tout à l'heure. Fire Bombo Clock, on l'a clippé. Et il y a plein d'autres clips aussi qui sont en cours parce que le mois d'août, je dois faire. Je dois clipper des chansons, je garde comme surprise aussi pour les fans. Mais j'arrive quand même avec plein de choses pour vous, franchement. Mon répertoire, il est saturé quand même. Franchement, j'ai plein de sons. Parce que je vous rappelle aussi que je travaille à trois volets. Mon premier bloc-notes, à l'en-tête, ça, j'ai écrit album Guinée. C'est-à-dire, c'est consacré pour la Guinée. Parce que j'ai décidé de faire un album à la langue pour la Guinée, un album gratuit pour la Guinée. Et ouais, je prépare ça à côté. Et après, j'ai un autre bloc-notes où c'est album Mali. Ouais. Et un autre album international, là où on va retrouver des chansons en français, anglais, italien et plein d'autres chants. Pratiquement, j'ai plein de projets aussi en cours que je ne peux pas tout citer. Bah, je note quand même que dans si peu de temps, je vais commencer à récupérer les enfants, des orphelins, je peux dire comme ça, qui n'ont pas de parents, qui n'ont pas de soutenance. Je vais faire un orphelinat quand même, ouais, dans un court temps. Ouais, Inch'Allah, j'espère bien que je vais réussir à le faire. Et après ça, il y a mon projet d'album aussi qui est en cours. Donc les fans, restez toujours connectés, donnez de la force, toujours continuez à donner de la force comme vous l'avez toujours fait. Ouais. Et il y a plein d'autres projets quand même aussi. Ouais, franchement. Parce que au fait, la musique pour moi, c'est une passion aussi, surtout. Du coup, vu que j'ai souffert, donc j'ai le projet aussi d'aider les enfants du ghetto qui ont envie de chanter, qui n'ont pas de soutenance, qui n'ont pas de possibilité. Ouais, ouais, franchement. Et organiser aussi des concours de rap, quoi. Et puis aider les 5 premiers. Ouais, j'ai ce projet aussi. Inch'Allah. Ouais, bah, j'ai plein de plateformes. Je suis sur YouTube, il suffit de mettre Mike Mamadi, M-A-I-C-K-M-A-M-A-D-Y, Mike Mamadi. Facebook, c'est pareil, Mike Mamadi. Instagram, c'est pareil, Mike Mamadi. Sur toutes les plateformes, c'est toujours Mike Mamadi. Sauf sur Snap, tu mets 7 à la fin, Mike Mamadi 7. Donc, vous pouvez continuer à vous abonner pour donner de la force. Franchement, pour donner de la force pour les préparatifs de l'album qui arrive très bientôt. Dernier mot, je ne peux que. On peut pas dire mes derniers mots parce que j'espère vivre encore longtemps, Inch'Allah. Bah, pour cette interview, je remercie déjà tous les gens qui m'ont soutenu, tous les gens qui m'ont donné de la force, franchement. Et surtout mon quartier d'honneur, mon quartier que j'aime, que je tiens au plus profond du cœur, Bessie à Port 2. Ici, je salue tous les Bordeka, je les respecte parce qu'en vrai, ils m'ont donné de la force, ils m'ont soutenu du plus grand au plus petit, les vieilles, les vieux, les jeunes, tout le monde m'a soutenu de sa manière dans Bessie à Port 2, franchement. Je vous respecte, je vous love aussi surtout. Et continuez à croire à Mike Mamadi. On va aller jusqu'au sommet de la montagne, Inch'Allah. On ne recule pas, je ne suis pas du tout prêt à abandonner. Yes, aïe. Et je remercie aussi ma famille. Ouais, parce que sans la famille, je ne serais pas là aujourd'hui surtout. Ouais. Je remercie beaucoup ma famille, mes parents qui m'ont tout donné, qui m'ont aimé aussi. Les amis aussi, je vous ai pas oublié, tous les bons potos qui m'ont soutenu, qui m'ont encadré. Je ne veux pas citer les noms parce qu'on ne pourra pas en finir d'en citer aussi en vrai. Mais là, à l'instant T, ouais, je donne maximum big up à Rational Sangoy qui m'a accompagné et à mon frère Ali Badra aussi. Ouais,
Et je prie aussi pour toi, mon frère Ali Ouattara, que Dieu te donne beaucoup de santé, longévité, Inch'Allah. Le meilleur reste à venir. Je donne maximum big up aussi à les fans qui m'ont toujours soutenu, qui m'ont toujours donné de la force et qui continuent de me soutenir, qui continuent de me donner de la force et tout. Franchement, parce que sans vous les fans, il n'y aura pas de Mike Mamadi, je ne serais pas là ici aujourd'hui. Parce que je chante, même si tu sais chanter, si tu n'as pas de soutenance, man, tu chantes pourquoi alors? Donc, dans mes moments de solitude, parfois il arrive des moments où tu as envie d'abandonner, où tu te sens seul, isolé dans ton coin. Mais quand je pense à tous les gens qui m'ont fait confiance, tous les gens que j'ai rencontrés dans les rues, dès qu'on a crié jusqu'à Paris, tous les gens qui m'appellent, ouais, mon artiste, je compte sur toi, j'attends ça, ça, ça. Donc, ça donne énormément de force et ça donne envie d'avancer encore, d'aller plus loin. Et je vous promets qu'on va le faire. Ouais, on ira jusqu'au sommet du mont Kilimanjaro ou atteindre les étoiles au fond du ciel là-bas. Inch'Allah. Ah ouais, a cappella time. My name is Sensa Gantse, I'm a dame, c'est Mike Mamadi from Guinea Conakry representing. Yeah, 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 yeah. Nintuma kuno ni ninjarabi tumbe tolona, nintuma kuno ni ninjarabi tumbe yelela. Tuma kuno ni ninjarabi tumbe tolona, tumbe yelela, tumbe gini nka yelela. Tuma kuno ni ninjarabi tumbe cinema na, tuma kuno ni ninjarabi tumbe badala. Tuma kuno ni ninjarabi tumbe takongo plus benarwes. Yaga yaga yao. Na toma ni neko ye bolo di nema. Di yange beni tekele no beni fila li ro. Iduma nye, induma nye, induma nye gonye beni. Yaga te neko ye wole ye renyo gontey. Mwala sinima ndala ni makanu ye. Mwala balikondala ni makanu ye. Mwala mimo ni bayoto ni makanu ye. Ni malonge ni kogela di ayaga yao. Merut Kongo Tom 58. Ma queen, one love.